Salut à toutes et à tous, c'est Crane. On se retrouve pour la découverte d'Hellblade 2, un jeu que j'attendais énormément. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez à quel point je suis fan du premier. Ça a été une expérience pour aussi bien visuelle qu'auditive assez incroyable, à tel point que oui, vous me voyez avec un casque. Je ne joue quasiment jamais avec un casque. Je ne supporte pas les casques. Merci Topinambour, merci pour les 45 mois, merci beaucoup. Et du coup, là, j'ai vraiment envie de me plonger au maximum dans le jeu, ce qui veut dire que je vais jouer sans caméra. On va laisser l'image du jeu totalement vierge. Et de mon côté, j'éteindrai aussi mes éclairages. Comme ça, je serai plongé dedans, vous aussi. Et on va essayer d'avoir la meilleure expérience possible sur le jeu. C'est une nouvelle VOD. Qui dit nouvelle VOD, dit petit message dans les commentaires. Mais oui, toi qui regardes cette vidéo-là tout de suite maintenant, si tu veux soutenir la chaîne, un très bon moyen, c'est d'écrire un petit message dans les commentaires pour aider au référencement, surtout à la sortie de la vidéo. Et en plus, ça crée de la vie et c'est tellement agréable pour moi. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui le font. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bien pensez à activer la cloche et à laisser un petit pouce. Ça aussi, pareil, c'est un clic et ça aide aussi. Merci beaucoup. Ok. On va cacher cette caméra. Deux, trois petites choses à vous dire avant. Le jeu est sorti dans un silence quasi total. Quasiment pas de publicité. Pourtant, on en a entendu beaucoup parler au moment de son annonce il y a quelques temps, un an ou deux, je ne sais plus. Mais là, il est arrivé comme ça, on n'a pas vu de pub nulle part. Il est sur le Game Pass, ce qui est très très bien pour les gens qui se disent bah, « je préfère payer le prix du Game Pass plutôt qu'acheter un jeu directement ». Donc les retours sont, de ce que j'ai compris, un peu mitigés, dans le sens où ça a l'air d'être le 1, mais au goût du jour pour le 2. Mais j'ai tellement adoré le 1 que pour moi, ça va être... Ça risque d'être très très bien déjà. Et paraît que visuellement, c'est à tomber. Il paraît que c'est à tomber, voilà. Pas de sortie en boîte non plus. Non, c'est vraiment... Donc j'espère que tout ira bien pour le studio. Je pense que oui, vu qu'apparemment, ils ont eu l'autorisation d'encore faire un autre jeu derrière. Donc pas Hellblade 3, hein, je crois que c'est un autre jeu. Mais donc, vu tout ce qui s'est passé récemment avec les fermetures du studio du côté de chez Microsoft, on croise les doigts pour que tout se passe bien pour eux, puis je croise les doigts pour aimer l'expérience que je vais vivre dans quelques instants. Allez-y, on y va. Plus de caméra. Hop, je vais éteindre les éclairages de mon côté. Hop, hop. Voilà, je suis dans la pénombre. Et on y va, nouvelle histoire. C'est vrai que j'ai pas regardé par contre les... pourquoi tu me mets en 2000... Merci. Plein écran, TSR. On va mettre le DLSS, hein, vu que j'ai une 4090. Ça, je sais pas ce que ça vaut vraiment. On va mettre en qualité. Netteté automatique, HDR non, Gamma 60, Nvidia Reflex, ombrage à taux variable. Je sais pas ce que c'est tout ça, mais on va dire que c'est bien. IPS 90, de toute façon, vous verrez à 60. Bon, je pense qu'on est pas mal. Ah oui, il n'y a absolument rien qui me dit si je veux mettre en... Il n'y a pas le V-Sync, tiens, ça c'est marrant ça. Accessibilité, affichage, mode de résolution. Il n'y a absolument rien sur le nombre de FPS, parce que je crois qu'il est, il est bloqué assez bas en FPS sur les consoles. À paramètres avancés. Anti-crénelage, qualité du post-traitement, volumétrie. Est-ce qu'on voit l'option du démon? Elle n'y est pas, l'option du démon. Hein. Elle n'a pas l'air d'être là. Tout va bien, tout va bien. Ok. Commande, alors qu'est-ce qu'on a? Concentration, LTRT, le sprint, il est là, bloqué. Frappe forte, frappe rapide, esquiver, interaction, avancer. Ok, regardez. Et le mode photo. Ah, tu l'as vu la synchro verticale, elle y était? Tu l'as vu, Lord Decease? Ah oui, elle y est, t'as raison. Ah, mais elle n'est pas active. Pourquoi je peux pas l'activer? Ah, ça doit avoir un rapport avec... Bah non, je vois pas. Bah j'en sais rien. Bon, on va dire que ça ira. On va dire que ça ira. Ok, c'est parti. C'est parti, on y va. En DLSS, c'est pas forcément désactivé. Bah, je crois pas, non. Allez, c'est parti, on y va. Profitez bien.
Senua. The outcast who became a warrior, who faced her demons and challenged the gods for her lover's soul, has accepted the voices, the furies, as part of herself. Just like her mother, Galena, she was not like other people. She saw and heard the world differently. Her father, Zinbel, told her she was evil, tainted by the sin of her mother. Tormented and afraid, she retreated from the world. Until love broke through like the rays of a new dawn. In Dillion's acceptance, she could live again. He gave light to her mind and freed a warrior from her body. But the voice of her father stayed with her, reminding her of her curse. And when the plague came to her land, the people blamed Senua. She took her darkness with her, banishing herself to the wilds. So she was not there when the Northmen massacred her people and sacrificed Dillion to the god of hell. Senua's torment was so deep that the world around her fell away. She took the head of her beloved, the vessel of his soul, and vowed to go to hell herself to save him. Through mist-shrouded horrors, she fought to find the secret path that would lead her to the very gates of hell. But the way was marked by fire and illusion. Senua had to fight the gods that guarded these paths and stave off the rot which threatened to consume her mind and end her life. Only conquest could open the gates. Only blood would bring her face to face with Hela. Face to face with defeat. Once again, Senua was engulfed in darkness, lost in a maze of misery and confusion. Until Dillion's voice led her to the promise of victory. A sword that could kill a god. To win the sword, Senua would drown in her darkest memories, pulling at the shards lodged in flesh, mind, and soul. She pressed deeper into the underworld, resisting its grasping hands and deafening cries, until she found her prize before the guardian of Hell's gates. Senua released her rage, a fury that could not be stopped, not by savage jaws, not by waves of warriors, not by the pull of death itself. In defeat and desperation, Senua begged for her beloved's release. But a sacrifice must be made, and burdens cast away. Senua's fate was never in the hands of the gods, but in her own. Only she could choose, out of love, to live, to go on, and to take us with her. Ça commence bien. Petit orgasme auditif pendant l'intro. Tout est bon au niveau du son pour le chat, et bonjour à ceux qui arrivent. «
Ok, donc ça, on a vu. Frappe forte, frappe légère, esquiver, interaction, bloquer, sprint, etc., etc. On vient de regarder un petit film, tout à fait. Do I know you? It's been a long time. She made a promise to the one she loved, dead now, but no less. A promise. Not one soul more would suffer as he had. She carries him in her heart. His death, his life, will drive her on. She will forge a purpose from his death, make meaning from the pain. And then the Northmen came again to our land, stripping us of our names, our lives, of everything that makes us who we are, beating and binding, taking us as slaves. These Northmen sail under a blood-red sign. One among them they call Master. Senua will follow that sign. She let herself be taken, dragged in chains to their ships, so she can trace the poison to its source, find the heart, and cut it out. Stop the slavers, keep her promise. Can drift off course. It begins as it ends. Alone in the dark. Even when you're pulled by forces dim and vast, fate can stop you cold. A dream has foundered with the ship.
She must find a new light to steer by. Find the next sign. Ah, c'est fou. Depuis tout à l'heure, je voulais vous dire des choses, mais j'osais tellement pas interrompre l'ambiance. Et là, on se rend compte que... Quoi ? C'était le moteur du jeu ? Pas loin. Et bonjour à tous ceux qui arrivent. Là, c'est moi qui contrôle la caméra, le perso, etc. We've been to hell before. Donc je sais pas comment c'est pour vous via l'encodage Twitch, celui de YouTube, etc. Mais le son est vraiment incroyable pour moi. There it is. This is only the beginning. Climb, Senua. You need to climb again. She will fall if she does. She will die. Climb, Senua. Climb, climb. She's hurt. So tired. She's going to fall. No! Careful, Senua. Careful, you have to be. Come on. Climb. Come on. Don't listen to my body. Don't listen to the pain. Listen to your mind. Coward! Why have we come here? Stupid! Come on! Climb! She's too exhausted. Too exhausted. It's too much. Don't look down. Don't let the fear get to you. Listen. Stop. She's too scared. Tout comme Blondie Boyo, n'hésitez pas vous aussi à être au casque. Hein. Je pense que c'est... Même en tant que viewer, je pense que c'est une expérience assez incroyable. She is afraid, exhausted. I won't
listen to you. That voice. Thought she'd left it in the past. Her father. He clouds her mind with fear, but she won't stop. Stronger forces drive her on. C'est un jeu qui te laisse quasiment jamais seul. C'est à la fois très flippant, mais à la fois très, très immersif aussi. Et là, on est sur le premier moment où... où il n'y avait pas de voix. C'était pour vous montrer un petit peu visuellement. Oh, même l'eau sur les pierres, etc. C'est fou. Signs are leading me. They brought me here. She knows that all through this world there are signs and symbols waiting to be discovered. The meaning is there. If only you can find it. Do not forget my story, Senua. I am with you still. Out of hell you have come, and now find yourself in Midgard, the world of men. Do not think it any less dangerous for that. Your path has taken you far from home, across the boundless sea, and you must go on to the heart of this place, to the heart of man. You have seen how the Northmen journey out to conquer, and this is one of their lands, as icy dark as Niflheim, yet as fiery as Muspel. It has not long been claimed, and they try still to tame it. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye de me reconcentrer? Do not forget my story, Senua. I am with you still. Out of hell you have come. C'est la même chose, ok. And now find yourself in Midgard, the world of men. Do not think it any less. Follow him, but be careful. They will kill you this time. Like they did to her. On the cliff. You were too weak to help. Follow him. Be ready to fight. She is a warrior. A warrior with no sword. No weapon. She came here with nothing. What good are you to anyone with no weapon? He will kill you. He will. Je prends pas les chemins les plus directs pour voir s'il y a quelque chose que, justement, de planqué que je verrais pas au premier coup d'œil. Ouais.
pourrait ramasser un gros caillou, en effet. Ça règle le problème. Why didn't you stop it too slow, too weak? Let her die. He is right. There were survivors. I need to help the other slaves. And you let her die. Ah, petite vibration sur la manette. Passer ici? Ah oui. J'avoue qu'il y a quand même de quoi tomber bien malade avec cette tuile. Que sur un écran 21/9, ça diminue les bandes noires. Je sais pas, mais du coup, ça donne un effet très cinématique qui colle tout à fait au jeu. Hein. Oui, je joue en 4K. Ouais. To listen to him, you know this now. Listen to us. You know better. Find the survivor. He is trying to trick you. We need to help the survivors. C'est agréable de voir de l'herbe qui ressemble à de l'herbe. C'est vraiment splendide pour le moment. Mais ça reste des cailloux avec un temps nuageux. On verra par la suite. You want to save them. They're already dead. The lost one. Don't listen to him. Listen to us, not him. You're a liar. Ah mais attends. On vient de faire le tour, non? Donc là, les corps qu'on voit, c'est les corps qui sont tombés, qui se battaient. On va aller voir parce qu'il y avait une arme. Ah. Petit mur invisible. Pas d'armes. Déjà, rien que par le début du jeu, rien que par la façon de se déplacer, tout ça, le jeu, il te dit clairement, c'est un jeu où tu... C'est pas un jeu d'action, c'est un jeu où tu prends ton temps. On peut pas, non, on peut pas passer par là. Get to the sea, find your way back to the sea. That is where they need your help. But you can never escape. She will never escape. Get out of here. Tu as fait le premier, oui, je l'ai adoré. You have to find a way out of here. You are lost too. She must find a way out. How can the lost find anyone? Listen, don't listen. You failed them. Don't listen to him. They are dead, like your mother. Hey, shut up. Like make him shut up. Stop
Sur le 1, l'ambiance était pareille, c'est comme ça tout le jeu. Sur le côté oppressant, tout ça, oui. Il y a quand même plein de subtilités. Hein. Can't you hear them, Senua? Can't you hear their screams? I can hear them. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être le premier combat? What's happening? You know that's in focus, Senua. Focus. Don't let it block you. They are suffering, but I set them free. Simple. You need to find it. It's here. Somewhere. Look for it. Look for the signs. Find the right perspective. You will sense when you are close. The signs are here. If you know where to look. Do you know where to look? She doesn't. Donc là, on a trouvé le symbole. Le premier est logiquement un petit peu facile. Donc on voit là qu'on a les deux parties. On va essayer de se mettre au bon endroit. It's there. Focus, you found it. You don't know how deep this darkness goes. Yes, you've done it. You completed the symbol. What now? You must go back to the gate. She must go back. Behind the symbol is the source of the darkness. Source of their darkness. You need to understand it. Uncover the darkness. Oui, le premier n'a pas du tout l'air essentiel d'être fait pour apprécier le 2. Et ce que j'ai bien aimé aussi sur leur résumé, c'est que le résumé est fait de telle façon à ce que ça ne t'empêche pas de faire le 1, même si tu as vu le résumé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais... Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup survécu, lui, hein. Ouais, le son des pas est différent selon l'endroit où je marche. Don't let them capture you again.
going to let her kill you. On this one, don't die now! Listen! Use your way! You do not deserve to die here, Senua. Bon bah on a une arme. What are you waiting for? Attack, Senua! C'est moi qui jouais, hein. Non, non, il n'y a pas besoin de GG, c'était un combat facile, mais dans le sens, c'était... Les animations étaient faites en fonction des boutons sur lesquels j'appuyais. Il est où le gars qu'on a sauvé ? Ah bah... Il est où le gars qui lui a lancé une hache ? Donc bien évidemment, elle est considérée comme étant maudite, alors qu'elle a juste un fonctionnement différent. Ah, c'était assez impressionnant les esquives, comment ça rendait. Tu joues en difficile, il n'y a pas eu de choix de difficulté. C'est dans gameplay, tu peux changer. Non, mais en normal, moi, ça me va très bien. Je dois faire quelque chose ou pas? Je peux un peu contrôler la caméra. Me concentrer, non? Ah non, juste d'accord, ok. Fallait juste que je pousse le truc.
Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'arrive pas à savoir quand est-ce que tu contrôles le perso et quand c'est du film. Oui. Et pourtant, je contrôle souvent le perso, ce qui est dingue. Mais même moi, je ne sais pas, hein, des fois. Même moi, je ne sais pas si je suis en train de contrôler ou pas, parfois. Ce qui fait que j'appuie continuellement sur des boutons pensant que c'est moi qui fais l'action. Non, c'est ouf. Ah non, j'esquive trop tôt. Non mais c'est assez ouf, c'est assez ouf. Quand je vois les moments où je décide de bloquer puis d'esquiver, ce que ça rend visuellement... Je regarde le jeu mais j'ai pas l'impression... Enfin c'est... Non c'est... Non c'est une expérience. Sword. He looks ready for you. He is ready to fight. You're ready.
We will end this. You're fucking dead. Stop thinking and feel it. Quickly. Oh, you think this is the end? Again! No! 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 Worthless. Oh, je le fais trop tôt. Voilà. Get up. You're worth more to me alive. Come on, then. You're gonna take me where I need to go. Yes. Yes. He will take you. He will show you. He has to. You have spared him, and now he will take you where you need to go. You can do this. Where you come from. Where you take the slaves. I can't walk. How do you expect me to take you anywhere? His pain doesn't matter. Make him walk. We'll walk. She has to save them. You have to. There is no other way. It's why we have come here. I'm not leaving until I get what I came for. You made a promise. She made a promise. You promised. I made a promise. Bah, si tout le jeu est comme ça,
Ça va être intense. A blood-carved stave, a soul sea falling, a too familiar darkness, an endless night. He is the next sign. Sign. What is it? You need to understand. You need to understand. Answer! It is my father, Sigil. His father. Your father? The Golthi. Monster. He's here. Look at him. No. The shadow. But this place is his. The people here are weak. They would not survive without his help. You have like him. You. Does she? Enough! He's wounded. He won't try anything. You have to keep your eyes on him. C'est quoi le nom de la, comment on peut dire, condition de l'héroïne? Parce que je sais que... qui se sont entourés de spécialistes pour justement que ce soit extrêmement respecté, extrêmement bien décrit. Elle est psychotique. You seriously think you will survive here? You don't know this place. Et donc à son époque, c'était considéré comme une malédiction. No further. Something's wrong. What happened to him? It smells of death. He doesn't want to. The settlement has fallen to the Draugr. Draugr. There is nothing but death beyond those gates. I don't want to see what's in there. Did you hear it? Did you hear it? Don't listen. Someone is suffering. Help me. You need to go inside. You need to help them. Someone needs your help. Everyone is dead in there. Everyone. Help us. Do you want to join them? You came here to help. Let's go. Listen to yourself. What is beyond there is too dark. We are leaving. Now. Don't give me orders, slaver. We'll find another way in. En effet, ça, ce qui est assez fou, c'est que on, visuellement, c'est à tomber. Je ne sais pas si on a déjà vu un jeu aussi beau. Mais sa grande force, c'est le son. Je vais vous prendre à mes gens, comme je l'ai dit. Pas dans ce settlement. Vous n'avez pas d'idée de ce que vous allez entrer. Il veut vous mourir. Juste tourner autour. He wouldn't understand. I can't. Damn you. Why won't you listen to reason? I thought your father protected these people. He does. Did. You can't protect people from their own stupidity. It looks like they let their guard down. They brought this on themselves. Ouh.
aucune idée si les bandes noires sont dans tout le jeu ou pas. Mais moi, ça me va, hein, ça. Ça peut être format cinéma tout le long. Hein. You haven't honored these graves. What happened? I told you. Droiger. Who are they? They just kill you. Il y a vraiment des gens qui reprochent le format cinéma alors que le jeu s'y porte complètement. C'est fou. I need to find out what it is. They're dead. You're mad. She's not mad. He doesn't see the signs. Stupid! He doesn't. You're mad. He doesn't know. He doesn't see the signs. There is no way. I am going in there. Look at him. Look at him. Wounded. Hurt. Defeated. But you need him. No. You're not. The rage. But we need him alive. He will try to escape. She has. Go on then. Do it. Don't let the rage get the better of you. The rage is coming. Just moments ago, he had to kill you. You shouldn't have saved him. This was a mistake. Enslaves people. How does it feel to be the one bound and helpless, waiting to die? When this heals, I will kill you, mad woman. For that, you'll need to stay alive. Je le comprenais pas avant d'avoir lancé le jeu, mais dans les reproches qu'on fait au jeu que j'ai lu, c'est un film interactif. Et le fait qu'il y ait ces bandes noires, le fait qu'il y ait tout ça, oui, c'est un film interactif, mais en fait, c'est un sens complètement différent de ce qu'on entend par film interactif. Film interactif, c'est tout se fait tout seul, de temps en temps, t'as un choix, t'appuies sur un bouton. Là, on est beaucoup plus plongé dans l'interaction du film. Donc on ne sait pas si on est dans un jeu, en effet, on ne sait pas si on est dans un film, mais dire c'est un film interactif, bah, en fait c'est un nouveau sens, ça a vraiment un nouveau sens, grâce à déjà l'Unreal Engine 5, grâce à plein de petites choses, des techniques utilisées, etc. C'est vraiment impressionnant. Prolonging inevitable, I see. Sur moi, ça marche énormément, en tout cas. People butchered. Dead bodies everywhere. It's happening again. This is like what happened to your village. To your village. To us. Do you remember? Do you? Bodies everywhere. It's too much.
Who did this and why? Why do you want to look? There's nothing you can do. She wants to remind herself of the past. She wants to live in the past. You should turn back. The Northmen raided your village. They enslaved people. They took Dillion. Your beloved Dillion. They killed him, Senua. He died because of them. Do you remember? They took him from you. Your Dillion. They killed him. The bodies. Everywhere. Covered in blood. The blood, don't think. Le jour où, dans un jeu, on pourra avoir l'odeur, je pense qu'on ne rentrera pas. Je pense pas qu'on rentrera dans le village. Mais sur cette remarque rigolote, en vrai, je pense qu'on va avoir les autres sens qui vont être stimulés d'une façon ou d'une autre dans les jeux dans le futur. L'une des choses que j'attends le plus, c'est tout ce qui est haptique. Je peux aller par là, mais du coup... It's already happened. It's in the past. It's too late. There's nothing you can do. You are letting the past control you. So many dead. Don't look at it. Donc il y a un chemin ici, il y avait un chemin de l'autre côté. Je vais aller voir derrière ici, il y avait un chemin. J'aurais pu prendre ce chemin qui m'emmène là-bas, mais là on va ici. She can't forget. You can never forget. That memory lurks. If you face it, the past will free you. Je peux pas monter ici. Est-ce que j'ai le droit à un tour gratuit là ? Est-ce que j'ai loupé quelque chose ou c'était juste un tour pour faire un tour ? Parce que là, je me retrouve ici. Dans le premier, il y avait des symboles optionnels à trouver. Ici, j'ai été voir ou pas ? Ça s'ouvre, ça ? J'ai pas l'impression.
Les jeux de lumière aussi sont assez impressionnants. Ah. Face it. You need to face it. Focus. You need to look at it. Face the past. Here. There are three parts to this symbol. Ah, bah c'est peut-être pour ça. All of them. Look for the signs. You will find your deepest, darkest memories. Be careful with the past. Je pense qu'il y en a un ici, peut-être un là-bas. She's getting closer. Yes, she can feel it. You have to get to the right place. You have to look at it the right way to see it fully. Non, c'était pas celui-là. Vu. Attends, moi j'ai vu ça. Mais après, il faut que je voie l'endroit où je peux le voir, sachant qu'on a ça. Ah, il faut que je monte. Ok. Oui, c'est là que je veux aller. Oui, je sais. Et 2-1. Faut en trouver 3. Bon, on va dire que c'est bon là. Focus. You found the first part, yes. Two more to go. Two more. Only two. This place will work its way into your mind. It will suck you back into the past and hold you there. She's getting closer. Voilà. Yes, she can feel it. Encore. Face your fear. Focus. You found another path. One more to go. One more, sir. I warn you. You are back there now, in the worst time of your life. Ok, donc c'est ici, et j'imagine... Est-ce que je peux monter là ? Non, faut que je fasse le tour. Bon, au moins on sait à quoi servait ce passage. Donc ça, c'est les puzzles caractéristiques du premier Hellblade. Hein. On n'aime pas après. Yes, getting closer. She can feel it. Pas mal là. Go through it to the other side. You know what's coming. You have come so far. This is the hardest part. What are you doing? Return to the gate. Use the symbol. Use it. You think you understand? You will never understand. Where are we now? Where are you? What's that? Oh, you recognize this place? No. Senua, it's a home. Mommy. Senua? Well, you've come home. Oui, je live sans cam et Zeri, c'est pour ce jeu.
There was happiness too. She sang to you. You need to hold on to that. You need to remember that. It will help you. The mirror, Senua. It will help you fight your memories. You have to take it. Keep it with you. My mirror? It will help you get through this. It will. Listen, the burning. Do you remember me, Senua? They are coming. Smoke. I bet you will soon. The Northmen are coming. They are coming for you. Remember what they did to you. How your village burned. Your heart. We cut out your eyes and Oh, c'est tellement beau. In the past. All that she lost, tearing at her with dead hands and eyes of fire. Her village, just cinders now. The past is never past. Her father, Simba. Did you think you could escape your past, Senua? You tried to run, didn't you? She can't forget. You can never forget. You thought you got away. No. You thought you left it behind in hell. Dillian. Dillian, you're Dillian. Him. Lovely Dillian. Him. But you will never be free of this. His pain. Suffering. However far you go, it will hold you forever in darkness. It's the only way. Take your darkness with you. It's yours. Be in control of it. You will never leave your past behind. It binds you here. You'll drown in the memory of him. Helpless. She'll be lost in grief forever. I carry it with me. Want to hold on to it. It drives me forward. She cannot forget. It's a promise. Not a prison. Keep it close. Don't let the past stop you. Don't let it drag you down. Your destiny awaits. Look up. Who we are. Do you see that? She does. She won't lose them again. Her mother, her lover.
She won't forget. She won't let them slip from her. Like light fading as eyes close. She will hold them. Il y a plein de moments où je peux courir, mais je trouve que ça va pas du tout avec le... avec ce qui se passe dès qu'elle a l'animation de course. Je peux passer par là ou pas? J'ai l'impression que non. Hein. J'ai du mal à comprendre ce que je vois depuis quelques minutes. Je connais pas Hellblade 1. C'est quoi le principe du jeu? Tu joues Senua, donc qui a une psychose qui fait qu'elle entend des voix. Allez, à son époque, c'était considéré comme une. Ah tiens, je peux. Attends, il y a du blanc ici. Non. C'était considéré comme une malédiction. Et là, on est. Tu veux que j'aille où le jeu? Et là, en fait, elle a, apparemment, il y a son village ou je ne sais quoi. Mais je peux aller au milieu, là. Non ? Non, je peux pas. Il y a des gens qui ont été pris en esclavage. Elle a fait exprès d'être emmenée en esclavage pour essayer de retrouver la source. Et voilà. Et on est sur ce chemin-là. Mais on a eu un... On a eu... sur le bateau sur lequel on était, a échoué. Et voilà. Sinon, où tu veux que j'aille le jeu? Il est où le chemin? Il y a une porte que j'ai pas vue? Ah, ici. It's hanging from a... Like a cow. What could do this? Try again. Alors, est-ce que c'est juste pour la vue? Le mode concentration, même si tu n'en as pas besoin, ça peut donner... Là, par exemple, hop, je me concentre. Et ça permet de changer un petit peu l'angle de vue. Quelque chose de caché. Sorte de porte. Non. Ah oui, je peux aller par là. Alors, c'est le troisième symbole. Ça veut dire que potentiellement, on a loupé le deuxième symbole. J'avais l'impression d'être allé un peu partout. Apparemment, non. Thank you.
Oui, pour moi qui suis sur un téléviseur, c'est encore plus sombre. Là, c'est d'où on vient. Donc là, c'est où on doit aller. Quelque chose de différent que je peux voir. Est-ce que je peux monter ici? Non. Ah oui. So beautiful. They're moving. Moving, transforming. Where will it take you? Where? Oh. Places of the earth, they know that the gods and spirits affect man's path. All the misfortune that befalls man lies at their feet. If you have eyes to see, you see their presence and their power. Keep your eyes open, traveler, and you might see their faces. C'est pour ça que les voix sont importantes, parce que c'est vraiment les voix qui m'ont dit « Regarde, il y a quelque chose ici. » Tout est tellement... comment dire, logique dans tout ce que tu regardes. Il n'y a pas un élément vraiment qui ressort en termes « Regarde, là, c'est le truc jeu vidéo sur lequel il faut cliquer. » Tu as quand même les passages un peu blancs à la craie pour montrer les passages. Something dark, Senua. You need to go up there. Don't let them see you coming. You need to find out. Don't let the monsters find you. You can do this, Senua. I believe in you. She knows what it's like to fear. Scared of the night, her mother's soft voice calmed her. But now, she's alone. And there's more to fear than just the darkness. There are ghosts that walk in the noonday sun. Monsters that climb out from under the bed. Some shadows can't just be dispelled with light. Some shadows don't want to scare you. They want your blood, your flesh, your life. But the voices are calling. Ah non, justement, oui, je suis d'accord qu'un Atreus ou tout ça qui te dit la solution d'un puzzle, c'est relou, mais là, c'est, au contraire, c'est tout l'intérêt. C'est les voix qui permettent de rendre visible ce qui est caché. Kill us.
It's easy to turn back, turn away, when every nerve is screaming with fear. Be safe, be quiet, run and hide, run away. But to turn back is to lose yourself, lose your way, defeated and dead-eyed. And the path ahead is clear, soaked in blood and bile, but beacon bright and clear. This time, she can't. This fear can't drag you down. We have chosen this place for a reason. So many voices. What is this place? So loud. What if this fear is worth listening to? You can feel it, that voice. Journey to these darkest lands to heal those overcome by fear and hate. However dark it seemed, I always found a ray of light. In this wretched land, by far the darkest of them all, it seemed the shadow would never lift. But I knew I would find my light. Who is he? He knows her. He feels us. Reaching out to us in the dark. You have to help him, Senua. This is our quest. This is our destiny. Our mission. Senua, would you give your life for these outsiders? In my darkest hour. It was an outsider who saved me. This man, his kin killed yours. You should want his blood, not to give him aid. Oh, you have lost your way. Message comme quoi la télé allait s'éteindre. Hmm.
Je peux monter ici. Ou aller par là. Cuts through the chaos. He is her next sign, the next step on her path. She will bathe in blood, her sword will sing, and she will free him. I'll die trying. Oula. Oula.
Ça, j'ai pas compris comment l'éviter, hein. C'est un genre de QTE. Non, non, j'ai des attaques lourdes, des attaques légères, des esquives, des blocages. Daybreak. She'll have to hide from the light now. Well, she will hunt us. Find our trail as soon as she can. You're not safe now. Let's go. Et bah, c'était intense. Who are you? My name is Fargrimur. I come from a settlement nearby. I came here to seek help. He almost died. You helped? Freyslaug had fallen to the Draugr. And to something else. I walked into a massacre. What was that? And they took me as well. But he was not like that. Why were you bound to that pole? What were the Draugr doing? Well, calling to the creature, drawing her forth with her. Thunder a and blood. Creature called through death. And I was an offering. Draugr. But why? Why were they calling it? It killed them. Are we safe now? I seem to worship her. He seems too calm. What if she comes back? Her dark heart seems to speak to their own. I mean, all the old gods have left this land, so... We should leave as well. We'll find new ones where we can. This land is cursed, Senua. We will only find death. Everyone is dying, and you know they will blame you. Everyone does. We do. What
are you going to do? What can we do? Follow him. I need to return home, to my people. Go with him. He can help you. If you come with me, I will offer you what help I can. But I have to warn you, the creature stalks my village. Her, ill tiger. We can offer you refuge for a time, but not safety. You've seen her before. Oh. They have no hope. To my cost. To everyone's cost. She haunts this they land, have lost from here everything. To my village in Red Hills. If we go with him, she will find us. We will find her. Maybe you can fight her, Senua. So you're from Orkneyr by your accent. How did you come here? As a slave. I have the slave master tied down there. He brought you here. The master. Maybe he escaped. We don't know his Thorkist? Name. We do now. I didn't ask his name. Þorkistur of Borgarvirki. There. We need to go there. He knows. He knows. You know it? Can you tell me how to get there? Yes, but why would you want to go there? I'll kill you. Worse. You need to go there, Senua. Don't doubt. Don't be a coward. He can help you. He will show you the way. You don't need that monster. What was the name? Thorkist. By the gods. Oh, what a terrible thing this is. The Draugr were always savage. This is worse than I ever thought possible. I believed that with time, we could claw back our land. He wished that, but he didn't believe it. He has no hope. This gets darker. Bloodier with each day that passes. Look, that monster, Thorkester, is still there. Still alive. What are you going to do, Senua? You know what to do. We don't need him anymore. What do you want to do about him? Nothing. Leave him. I don't need him. You can tell me where I need to go. He cares about him. Stupid. Well, if you leave him, he will die. Draugr. Or simply starvation. Don't doubt, Senua. If the Draugr took him, it would be no less than he deserves. Help me. She is weak. Don't feel pity. He doesn't deserve it. She cannot do it. Something about him. She saw it. Not just a monster. She saw it. A ray of light. He is evil. There is no choice. So stupid! She's not listening to us. Stupid. She is saving him. That monster. The monster. Our wound looks bad, Þorgestur. I don't want to talk to you. If you accept my hospitality, I can have it treated. You will not make it far alone. I will come with you. But this changes nothing. Not expect any gratitude from me or my father. How could I? You still haven't told me what she is, Ildtoga. So many questions. She's a giant. They awaken at sundown. Ildtoga. Ildtoga. A giant. A cursed land. But now she has help. Fargrimmar knows this land. Many have tried to fight them, but all have failed. They're immortal. Maybe the gods can kill them, but there are no gods in these lands. The giants, they hide by day and hunt at night. You may think, well, at least there's some respite by day. But know this, the nights grow longer. And come winter, there is no day, just endless night. Soon the time of man will end. This place. What is this place? My settlement. In pain.
I led my people here. Promised them a new life. He called this home. An escape from the madness and misery across the sea. For some time, we were happy. Like us. We were happy. Until him. Well, then the volcano and the darkness came. A monster started enslaving people. Ildtøyga stalks my settlement when night falls. She tramples our crops and kills what little livestock we've left. We're starving. Why don't you leave? We tried. They failed. No matter how far we get by day, as night falls, she hunts us down. And there are children here. People too weak to run. We're trapped. Night on night, our numbers fall. He is asking you to help. No, he isn't. They need you. They are dead if they don't fight back. Et je pense que c'est un très bon moment pour arrêter la VOD. Bah oui. Je vais remettre la cam. Hop. Où est-elle? Elle est ici. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez pour le moment sur le chat et qu'est-ce que vous en pensez vous aussi sur YouTube? Ah, j'ai trouvé ça fabuleux personnellement. Oui, c'est un film interactif. Oui, c'est un walking simulator d'une certaine façon, mais tout ce que tu fais est très intense, surtout grâce au son. Les combats, j'ai aucune idée si c'est des combats faciles, pas faciles, aucune idée. Tout ce que tu fais, tu le fais, tu sais pas si ça a un réel impact ou non, mais ça, tu sens le besoin de le faire. Et non, je comprends les reproches qu'on lui fait, je comprends que ce soit pas pour tout le monde, mais les reproches qu'on lui fait, c'est aussi sa force. Et en tout cas, pour ces 1h48 là, de début de jeu, elles ont été fabuleuses pour moi. Voilà. Voilà, voilà. Sympa à regarder. Je ne pense pas que je pourrais jouer à ce jeu, mais le découvrir comme ça, c'est chill et c'est bien fichu. L'ambiance est lourde, mais dans le bon sens. Ouais. Le premier me semblait un peu plus action. Est-ce qu'il est vraiment plus action, le premier, ou pas? Je ne sais pas. Je ne pense pas spécialement. Super expérience intense et c'est vraiment, vraiment soigné, impressionnant. Ça ne plaira pas à tout le monde, et tant mieux. Et le son est incroyable. Visuellement, il est à tomber. C'est l'un des plus beaux jeux que j'ai vu jamais fait. Surtout pour un jeu qui est à la fois sur PC, sur console, etc. Je ne sais pas si on a déjà fait plus beau. Mais le son, c'est pour ça. Hein. Essayez d'en profiter au casque, même si comme moi, vous n'êtes pas fan de casque. Là, ça valait véritablement le coup. En tout cas, des bisous à tous les glos YouTube. Je ne sais pas si je vous fais un let's play ou si c'est juste une vidéo découverte. Mais en tout cas, c'était vraiment une expérience incroyable. Et quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que si je ne le finis pas avec vous, je le finirai de mon côté. Voilà, voilà, voilà. Allez-y, des bisous YouTube. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu en mode immersion quasi totale. Ciao, ciao.